Et salut la meute, on est parti pour un nouvel épisode sur Spider-Man. On est parti pour la révolution, enfin la mission qui s'appelle la révolution. On va voir ce que ça donne. Y'a quelqu'un? Parker. J'arrive juste à temps pour trinquer. Trinquer? Où sont les bras? Oh, wow. Trop cool. Mais comment vous... Réseau neural intracrânien. La neurotransmission se fait en moins d'une nanoseconde. Plus rapide que les signaux dans le cerveau. Et ne parlons pas des prothèses externes. On a réussi, Peter. Personne ne pourra nous enlever ça. Incroyable. Oh. Tout ça grâce à toi et à ton travail sur le réseau neural. Mais on l'a même pas encore testé. Il reste des choses à éclaircir et... Tout marche à merveille. Tiens, regarde ça. Pas sûr que ça marche c'est aussi bien que ça, en fait. Hein? Mais il y a une petite erreur. Pic de voltage. Ça se corrige facilement. On va voir si ça marche. Non, c'est pire que ce que je croyais. Que ça allait stabiliser. Ah, oh, le pic fait une cascade. Je sais pas si je peux arranger ça. C'est pas bon. Docteur? Docteur, j'ai trouvé un problème potentiel. Il y a toujours des problèmes quand on cherche bien. Mais la chance sourit toujours aux plus audacieux. Il est temps d'annoncer la nouvelle au monde entier. Otto, le réseau neuronal n'isole pas vos neurones moteurs. Il pourrait affecter d'autres parties de votre cerveau. Vos inhibitions, votre humeur. Je pense qu'il faut faire d'autres tests. On a fait assez de tests! Pour la première fois de ma vie, je ne me sens pas minable. Je me sens moi-même. Otto, vous n'êtes pas minable. Mais les risques pour votre esprit sont importants. S'il vous plaît. D'accord. D'accord.
vous en faites pas. On y est presque. Je vais continuer. Éliminer les bugs. Allez. Barre. Vous êtes sûr que ça va? Oui. Merci, Peter. Merci. Pour tout. Nous sommes en direct de la gare de Grande Centrale, où le maire Osborne s'apprête à faire une déclaration à la presse. Martin Lee est derrière les barreaux à présent. Quand je fais une promesse à cette ville, je la tiens. Les habitants de New York vont bientôt devoir faire un choix qui pourrait bien définitivement changer leur vie. Au moment de glisser votre vote dans l'urne, souvenez-vous de mes actes. La ville est aujourd'hui plus sûre qu'elle ne l'a jamais été. Menteur ! Tu n'imagines même pas ce qui t'attend. Oh, la gueule, le pauvre, il a une gueule défoncée, quoi. Donc maintenant, on voit notre nouvel ami. Je pense que là, c'est plus un spoil. Là. À partir du moment où on a vu Dr. Octavius, on savait qu'il y avait... que Dr. Octavius était pas là. Il était pas loin. Dommage, il y a tellement de méchants qui auraient pu être sympas dedans. Qu'ils n'ont pas mis encore. Enfin, bon, quoi. Peut-être dans le prochain, parce que vu comme il a bien marché, à mon avis, on peut s'attendre à une suite. Je vais prendre des nouvelles de Miles. Salut, Miles. Je voulais savoir comment ça allait par rapport à Martin Lee. Écoute, si t'as plus envie de bosser là-bas, moi et tante May, on comprendra. J'ai failli me barrer quand j'ai appris la nouvelle. Et puis, je me suis rappelé ce que mon père disait. Un héros, c'est quelqu'un qui n'abandonne pas. C'est vrai. Du moins, s'il mène le bon combat. C'est moi qui t'ai trouvé ce boulot. Ça me ferait de la peine que tu continues si ça te convient pas. Les gens ici, ils sont pas responsables de ce qu'a fait Martin Lee. Ils ont besoin d'aide, et moi je les aide. Je crois que mon père m'aurait dit de rester. Je crois qu'il serait fier. Il le serait sûrement. Hé, hey Miles, moi aussi je suis fier de toi. Si tu veux parler, n'hésite pas. Appelle. Merci, Pete. Je dois y aller. Tante même a filé une liste de fournitures à acheter. À plus. C'est quoi à côté? Ah, c'est une quête annexe. Non, plus bas. Hop, par là. On a fini Red Dead, poteau. On a fini Red Dead, mais après, ça varie de quoi? C'est pas par quoi? C'est quel type de spoil? On l'a fini hier. Peter. Ça va? Tout va bien? Je me débrouille. Honnêtement, ça me plaît pas trop de te voir gérer ce centre toute seule. Ces gens ont besoin d'aide. Si ça doit me coûter un peu de sommeil, eh bien tant pis. Et tu as eu des nouvelles de Monsieur Lee depuis... Non. Mais le Martin que je connais n'aurait jamais fait ça. Quoi qu'il lui soit arrivé, ce n'est pas l'image que je veux garder de lui. Bref. Comment ça va avec MJ? Oh, c'est... Bah, tu sais... C'est-à-dire qu'en fait... Mais c'est compliqué. L'honnêteté. C'est ce qui nous a sorti des mauvaises passes, Ben et moi. Vous avez eu des mauvaises passes? Non, bien sûr. Surtout quand on avait ton âge. Alors, es-tu honnête avec elle? C'est elle vraiment qui tu es? Hé hey, monte le son! Je vais écouter ça! Un porte-parole de la police a confirmé que le camion était celui qui transportait le dispositif utilisé dans l'attaque de la gare de Grande Centrale. Quand est-ce que ça va finir? Peter? Ouais, on l'a fini hier, on l'a fini... Enfin, hier, avant-hier plutôt. Et honnêtement, putain, sacré fin, quoi. J'avais vu une fin un peu différente, mais en fait, comme j'ai pas fini le premier, il y a certains personnages que je connaissais pas. Donc, il y a certains personnages que j'aurais bien voulu tuer, mais comme ils sont dans le premier, bah, tu peux pas les tuer, donc c'est la misère, quoi. On l'a fini hier, ouais. Laissez-moi un message. Yuri, où êtes-vous?
Rappelez-moi dès que vous pouvez. Pourvu que le souffle du diable soit encore là-bas et à l'abri. Si les démons ont trouvé le camion, ça va prendre des dimensions cataclysmiques. Et t'as des nouvelles ou pas de ton jeu là qui avait l'air sympa là avec le chat biomutant là, je sais plus comment il s'appelle le jeu. Nouveau sondage. La popularité du maire Norman Osborn monte en flèche. Il faut qu'on se dépêche. Grimpez. Qu'est-ce qu'il y a? C'était une attaque coordonnée. Elle a dû être préparée de l'extérieur. Tous les blocs sont ouverts. D'ici quelques minutes, tous les détenus de Riker vont défiler sur la 5ème avenue. Ok, et le raft? Ça devrait aller. C'est un centre carcéral supermax, plus encadré et avec un réseau à part. Tant mieux. Et le souffle du diable? C'est Sable qui s'en occupe. Vous leur faites confiance? Ai-je vraiment le choix? Non. Fallait mettre ta ceinture. Style. Ça c'est le skill. Quelqu'un est piégé derrière cette porte. Ah.
Ils arrivent. Où est la sécurité? Ils s'en prennent à ma voiture. Ouh, ça t'a de piquer quand même. Pourquoi il y a des bazookas dans les prisons, s'il te plaît? Ça, je comprends pas. Quel fou des bazookas dans une prison? Ok, tout a l'air à peu près en ordre par ici. M'avez pas dit que le rat ne craignait rien? Plus maintenant, allons-y. C'est peut-être pas si grave que ça en a l'air. C'est peut-être. J'adore votre optimisme. Très bien, c'est peut-être après pas si grave. Quand ça a l'air grave, c'est grave de chez grave. Attention! Je glisse. Tenez bon. Ça va? Oui. Soyez les bienvenus à la fête! Juste à temps pour le grand feu d'artifice! Liberté conditionnelle, les gars! Trop? Pourquoi il fait sortir tout le monde? Je vais aller au centre de contrôle pour évaluer la gravité de la situation. Ok, je m'incruste à la fête. Rascal! Alors vous allez tous regagner gentiment vos cellules et fermer la porte derrière vous! D'accord? S'il vous plaît! Ah, là, c'est avec le problème. Ah, le gros com, moi j'ai vu. Comme le com, tu sortais du bar et tout, donc. Fallait pas faire gaffe à comment tu écrivais, l'orthographe, c'est pas ta copine. Oui, j'ai vu ce com là, t'inquiète pas. Oh, le rhino. Surprise? De quoi il parle? Thank you.
Scorpio. Oh, je suis coincé dans une prison avec tous les criminels. C'est bien trop beau pour être vrai. Scorpio, tu peux attendre une minute? Je suis en train de parler au téléphone, là. C'est pour le boulot. Scorpio, Electro, Rhino. Ça a coupé quelques secondes. Vous allez bien? Non, pas vraiment. Electro, Rhino et maintenant Scorpion sont en liberté. Qu'est-ce qui se passe dans le reste de la prison? La vidéosurveillance est assurée, Tariq. Je vous fais un point très bientôt. Ok, je continue à poursuivre Electro. Bon, en tout cas, merci du commentaire. Tour. Futur. Ça faisait un bail. Je sens qu'on va beaucoup s'amuser. Désolé, pas le temps de causer. Ok, j'ai rétabli le système de vidéosurveillance. Ça donne quoi? Eh bien, on dirait que toute la population du Raft s'est fait la belle. Y compris Martani. Ça nous fait donc 5 de vos ennemis mortels qui sont désormais dans la nature. Pendant une seconde, j'ai cru que vous étiez sérieuse. Je suis très sérieuse. Il faut que j'y aille. Il y en a qui prennent la direction de la ville. C'est la crise. Ah mais c'est marrant, mais il a disparu, tu le vois plus. Mais merci à toi, merci à vous. Je rappelle, dernière nouvelle, c'est quand même vous qui faites que la chaîne marche, le Twitch marche et compagnie. Merci à les personnes pour suivre derrière le Twitch et tout le bordel qu'il y a derrière. Ça marche pas autant. Ok, j'ai rétabli le système de vidéosurveillance. Et ça donne quoi? Eh bien, on dirait que toute la population du Raft s'est fait la belle. Putain, mais... Hey! Sérieux! Elle est bloquée dans le décor, sérieusement, quoi. Oh, il s'accroche à rien, super. Comment tu trouves mon nouveau costume? Très classe. Où tu l'as eu? Je suis membre d'un club. Non!
Rappelez-vous, il a dit de ne pas le tuer. Bonne idée. On n'est même pas obligé de se battre, hein, si vous voulez pas. Oh, mais on emmerde en vie. Oh Vous avez tous reçu une mission. Vos dettes seront réglées quand ce sera fini. Partez! Il y a toute la tribu, quoi. Il a pris cher, le pauvre. Toutes ces années, tous ces mensonges. C'est fini, Norman. Ils vont savoir la vérité. Ouais. Bon, on l'avait fait une fois au départ lors de la sortie officielle du jeu. Bon, on l'avait fait pour sur Twitch pour la découverte. Et j'avais pas enregistré à l'époque. J'avais pas tout le système que je peux enregistrer maintenant. Donc là, je l'ai refait exprès pour pouvoir l'enregistrer, ouais. Mais tout va bien. Oui, ça va. Pourriez-vous distribuer ça à ma place? Oui, bien sûr. Mais les experts travaillent jour et nuit pour trouver un remède au virus. La quarantaine de l'asile est appliquée avec autorité. MJ. Table internationale qui assure fermement la sécurité de tous les points d'accès. À travers la ville, la police et les agents de Sable luttent toujours contre les évadés du Raft et de Riker. Pendant ce temps, le maire Osborne a publiquement accusé Spider-Man d'avoir causé l'évasion et l'épidémie avant de le qualifier de fugitif. Aucune preuve n'a été apportée. Beaucoup pensent que le maire cherche à fuir ses responsabilités depuis que l'enquête de Google a révélé que le virus répand dans la ville a été créé dans un laboratoire secret et clandestin d'Oscorp à Manhattan. Le maire Osborne assure qu'Oscorp travaille en ce moment. Éteignez-moi ça. Sur un sérum, mais là encore, aucune preuve n'est venue confirmer ses déclarations. Ouais, je sais.
Je me rappelle encore Skull, t'inquiète pas. Vu qu'on a fini Red Dead, là, toi, c'était, je pense que je vais faire un épisode là de Spider-Man, toi, pour avancer un peu. Et après, si tu veux, on partira peut-être sur Assassin's Creed pour l'avancer, parce que ça, par contre, on l'a toujours pas fini. Docteur Octavius, pourquoi? Comment ça a pu arriver? L'hôpital vient de me téléphoner. Ils disent que vous vous êtes enfui. On n'a pas de temps à perdre. D'après les médecins, vous avez 14 os encore cassés, au moins. Ouais, autrement dit, j'en ai encore 192 intacts. Et merci pour votre aide, au fait. Le plus dur a été de vous cacher aux yeux de Sable. Vous vous cataloguez comme cible prioritaire, vous savez. Je le prends comme un compliment. Qu'est-ce qui arrive à notre ville, Yuri? J'en sais rien. Ça ressemble à la fin du monde. C'est peut-être ça. T'aimes pas le nouvel Assassin's Creed? Putain, moi je l'adore. Il fait partie de mes préférés, le nouveau. Il y a tellement de choses à faire, tu te perds tellement en fait. Le problème, c'est que ça devient GTA à force. Genre, t'as tellement de quêtes annexes, etc. à faire autour pour pouvoir monter en level, etc. que tu te perds très vite en fait. Et tu sais plus ce que tu dois faire dans le scénario. Des prisonniers en fuite se regroupent pour prendre le contrôle de quartiers entiers. Tout piller, menacer les résidents. Et j'en passe. Je m'occupe d'eux. Autre chose? Le maire a donné carte blanche à Silver Sable pour retrouver Martin Lee et Octavius. Elle embarque des gens à l'appel et les retient dans des bases aux quatre coins de la ville. D'après les rumeurs, ils pratiquent même des interrogatoires augmentés. Ouais, de la torture, quoi. Ne vous en faites pas, je m'en charge. C'est notre ville, Yuri. Et on va la reprendre de force. Super. Mes hommes sont sur les traces des super vilains. Je vous tiendrai au courant de nos avancées. Pour l'instant, tâchez de stabiliser la ville. Maintenant, il faut quasiment tout le temps être en mouvement parce que, comme tu peux voir, il y a souvent des snipers qui me visent dès le départ. Ce serait dès que j'aurai un moment, mais je t'aime. Je t'aime aussi, Peter. À toutes les unités, on nous signale des tirs de snipers sur la police. Agent près de Devil's Shelf, rendez-vous sur place. Bah, moi déjà le fait de pouvoir choisir un homme ou une femme, mais que ce soit vraiment le scénario en entier, pas juste une mission ou deux comme ils avaient fait pour Syndicate, juste ça me plaît personnellement. Et sachant que ça changera rien au scénario, c'est toujours le même scénario, c'est juste que voilà, un personnage que tu connais sera à l'inverse de celui que tu as choisi exprès. Et vice versa, donc honnêtement non, je kiffe, moi j'aime bien. Petit clin d'œil, la voix d'Amixem dans le en tant que membre la voix d'Amixem pour un personnage dans le jeu, sachant que ça n'a pas été publié, c'était vraiment un easter egg qui est dedans. Même Amixem n'avait pas fait de vidéo à l'époque pour en parler. T'as aussi la voix du mec qui joue Batman dans la série dans les séries télé. Donc pas les films mais l'autre, donc la voix vraiment de Batman du dessin animé. Qui est énorme et qui est aussi dans le truc qui fait le deuxième personnage qui fait le garçon Alexios. T'as tellement de trucs autour, honnêtement, et ils ont fait un contenu énorme, vraiment le contenu est super riche. J'ai passé mon premier prestige sur la Xbox parce qu'il y a double XP encore, donc là il faudrait que je pense à faire aussi le prestige numéro 3
pour la version PS4. Faut que je fasse quoi? Parce que le problème c'est qu'ils m'en parlent même pas en fait. Ils me disent pas ce qu'il faut que je fasse. Ils veulent quoi? Ils veulent que j'attaque, que je fasse un raid sur un des avant-postes. On va faire un raid sur un avant-poste. Bah pour quelqu'un toi qui cherche un minimum comme toi que j'ai fait la dernière fois pour les vidéos, pour préparer les vidéos, tout ce que j'ai cherché, honnêtement ouais t'as beaucoup de choses à regarder derrière quoi. Sachant que là, comme j'arrive dans le level 30, encore 10 levels je pourrais utiliser le trident de Poséidon. Donc ce qui fait que je pourrais rester dans l'eau et nager librement sans avoir problème de respiration. Donc ça peut être pratique. Et en plus de ça, bah, je suis bientôt au level pour attaquer les monstres mythologiques. Donc Médusa, le taureau, Minotaure, le cyclope, etc. Toi. Et ça, c'est de la chasse de l'extrême. Captain Poiscaille. Captain Poiscaille. Ok, capitaine, je suis en place. Dis-moi tout. Rino est en train d'assainir. Non, en plus le trident est stylé, mais en plus de ça, je veux dire, t'as surtout le côté pour avoir le... Ouais, c'est quoi ça? Ah, c'est commissaire à sauver? Allez, go. Surtout que aussi à côté, on pourra affronter le Minotaure et tout. Là, par contre, ça va être vraiment des chasses à l'extrême, toi. Comme une poisson. Oh putain, j'y crois pas. Surtout ne faites rien avant que j'arrive. On se retrouve à... Toi t'es vraiment un harang hein, avec tes blagues. Tout tout tout. Et hop là, ça c'est fait. Yori, j'arrive au commissariat d'Upper East. Super, Electro et les démons empêchent mes hommes de sortir. C'est une situation compliquée. Arrête, tu rigoles comme une truite. Deuxième blague de merde. C'est la soirée des blagues de merde. Electro. Capitaine abandonné. Bon, c'est quand je reçois mon ukulélé au fait. Yori, c'est pas compliqué, c'est pire. Je vais désactiver les transformateurs pour libérer vos hommes. Même si vous y arrivez, ils auront encore besoin de votre aide contre les démons. Je suis là pour ça. Problème d'électricité, de démons, sans rendez-vous. Et de deux, encore trois. Electro et ses délires perchés de super vilain. Ça m'avait manqué quand il était au raft. Piéger la police avec un réseau transformateur. Mais d'où ça sort ça? C'est bien beau de faire des promesses, mais bon, je l'attends toujours moi au coulé. N'en reste qu'un. Faut que tu voyes avec Dras, Mumu et tous ceux qui veulent participer. Hein. Que là je peux dire ça, t'as pas fini le nombre de conneries. Les policiers sont libres et les démons lâchent rien. Je dois les assister. Thank you.
Vos âmes sont hors de danger. Et maintenant, rendez-vous dans le. Allez, premier fait, on va au deuxième. Merino nous met des bâtons dans les roues. Comme d'habitude, j'arrive. Miles m'a laissé un message. Vite, salut. Non, mais après, tu peux faire un truc. Tu peux demander le live, hein, ça peut être marrant. Genre de conneries pareil, toi. Ça fera cadeau de Noël. LOL. Putain, pendant ça, faut peut-être que je commence à regarder les cadeaux de Noël aussi. Hein. Putain, je sais pas quoi, là, je sais même pas quoi acheter à mes parents, à ma famille. Ça, ça doit faire mal. Je m'en fais que cette mission elle est hyper chaude. Et plus ça vient dans le jeu, plus ça va être chaud parce que tu prends tout le temps des dégâts quoi. Et voilà, toi je suis. Non, mais en général, moi j'achète les enveloppes, c'est avec des jeux à gratter. J'achète 4-5 enveloppes comme ça, je fais ça à un, mon frère, ma soeur, etc. Et après, comme ça, ils font ce qu'ils veulent avec. Pour mon père, encore lui, ce sera plus, tu sais, les. Comment on appelle ça? Les. Tout ce qui est les boîtes à bouffer là, comment on appelle ça? Les. Ah putain, sachant qu'il y a l'anniversaire à mon père avant en plus. Je suis con. Le 5 décembre, il y a l'anniversaire à mon père. Donc faut peut-être que je réfléchisse à ça avant aussi. Spider-Man, là-haut, les prisonniers tirent des roquettes. Ils vont démolir le bâtiment. Pas tant que je serai là. Je m'en occupe. Ouais, cette technique là, on m'explique où est accroché les, le fil qui permet au balancement là. Cible prioritaire en vue, pacification imminente. Il y a des moyens plus simples de demander un autographe.
Des jetpacks? Quelqu'un a eu l'idée brillante de leur filer des jetpacks! Les gars, on est dans la même équipe! Au moins, attendez qu'on ait vaincu les fugitifs avant de m'attaquer! Pacifié? Je trouvais pas que c'était une grosse réponse de 1984. Quoi? Et quoi? Personne d'autre, sérieux? Commissariat est sécurisé. Et j'ai vu ce que ça faisait d'être la cible prioritaire de Sable. C'est pas drôle. Ça vous apprendra à emmerder des mercenaires internationaux. C'est ça. Bon, je vais devoir me déconnecter. Vous m'appelez si ça part en vrille. Ça marche. Et merci. Grâce à vous, on peut leur tenir tête. Ok. Je dois foncer à Harlem, à l'annexe piste, pour aider May. Ah, voilà. Peter, on a besoin de toi au refuge des vétérans. T'es où? J'ai été retardé. Tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? Les évadés ont allumé un incendie. On a fait évacuer le personnel, mais Tante May et Miles sont piégés à l'intérieur. J'essaie de les rejoindre, mais les flammes se propagent vite. Hey. Reste où tu es, MJ. Je m'en occupe. Putain, mais... Sérieux? Peter, dépêche! Peter, les sapeurs-pompiers sont en route et j'ai trouvé une issue de secours pour accéder... MJ, reste où tu es! J'ai déjà assez de monde à sauver comme ça! Peter, fais pas l'idiot! Attends les secours! Approchez-vous de la fenêtre! C'est trop loin! Tenez bon! Ok, accrochez-vous! Allez, espèce de sale! Allez, mais je vous tiens! Oh mon Dieu! Allez-y! Allez! Miles, allez! Et il a de bons réflexes, ce gamin, quand même. Hein. On te tient. On te tient. Le mec, c'est où? Mais elle va bien? Tout le monde est sauvé. MJ, si vous aviez pas été là, toi et Miles, je serais... Mort, oui. Tout comme moi, les 36 000 fois et demie où tu m'as sauvé la peau. Je crois que t'as encore un peu d'avance. Oh, ça fait mal. Hey. Désolé. Pour le plan foireux, c'est juste... C'est... pas facile d'être celle qui se fait sauver tout le temps, tu vois. Des fois, je voudrais inverser les rôles. Je suis désolé, j'aurais dû te faire plus confiance. On est encore partenaires ?
toujours. Eh, je savais pas si vous vouliez de l'eau minérale ou de l'eau de source ou plate ou gazeuse. Alors, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pris une de chaque. Je vous ai interrompu. Non, MJ, Miss Watson et moi discutions stratégie. Stratégie ? C'est ça. La ville est en danger. Elle a besoin de notre aide. Oui, de toute notre aide. Ok, coach. Bon, c'est quoi le plan ? Ok. Diviser pour mieux régner. Miss Watson, il nous faut un antisérum pour le souffle du diable. Oscorp cherche un traitement. Mais il n'y a aucune chance qu'il puisse le garder en sécurité. Ouais, il y a encore à peine, hein, je crois. On doit trouver le remède et le protéger. C'est un mioche, Miles, quand il rencontre pour la première fois Spearman. Au moindre pépin, appelle-moi. Il faut qu'on protège le refuge et tous ceux qui s'y trouvent. Ok, ça roule. Et vous, vous allez faire quoi? Ces détraqués en costume croient qu'ils peuvent saccager la ville. Je vais leur montrer qu'ils ont tort. Hé, attendez, comment je vous appelle? Je veux dire, vous avez un portable? Dans une poche ou enfin, je sais pas. Miss Watson va te donner mon numéro. Allez, bon courage. T'as son numéro? Quoi? T'es sa copine? Ah, c'est tellement cool, hein. Ah. Allez, Sherlock, montre-moi un peu ta collection de bouteilles, là. Stratégie, mon œil. Hein? Eh bah, ce qu'on fera, on fera la suite dans le prochain épisode. Donc, moi je vous dis. Pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, à la prochaine. Wow, merci, Arsenal.